Vous avez passé un bon week-end? Alors, je vérifie le son, hein. C'est pour ça que je regarde là-bas, je regarde le PC pour vérifier que le son est pas trop mal. N'hésitez pas aussi, si la musique est trop forte, n'hésitez pas à me dire. Normalement, j'ai baissé la musique, donc ça devrait être pas trop mal. Bonjour Gizmo. Donc, on est reparti pour le short. Alors, je sais pas si on va le finir. Alors, il reste combien de choses à faire? Donc on avait les fausses poches sur le dos à faire. Donc c'était une poche passe poilée, montage du corps, assemblage devant et dos, ourlet de bas de jambes et la ceinture. La ceinture. Et les finitions c'est quoi? Ah, les finitions c'est les passants. Alors elles coulent les passants? Les passants, on les a cousus avec la ceinture quand même, oui. Ok, c'est juste remonter les passants. Bon, je sais pas si on va tout finir aujourd'hui, hein. Je pense pas. Je pense qu'on va pas faire... on va pas le finir aujourd'hui. Donc là, on en était au passe-poil, aux poches post-poilées. La musique est un peu forte. Plus forte que toi, mais c'est tellement apaisant. Oui, j'ai changé ma playlist, j'ai mis que des musiques un peu comme ça. Comme ça, les moments où je parle pas trop, vous entendez une musique douce, une musique calmante. Bonjour Choubette. J'ai voulu faire indigo, mais pas de tissu extensible. Ah, oui, il faut du jersey ananas. Bonjour Steph. Bonjour Chris Création. On continue le short pomme de la Crafting Box. Merci pour le lien, Leïla. C'est un peu fort, donc je vais baisser un petit peu. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Parce que je voudrais quand même que vous l'entendiez quand je parle pas, par exemple. Oui, la musique est zen, oui. J'ai changé ma playlist. Pour quelque chose de plus tranquille. Allez, on va passer sur la table. Hop, je vais mettre ça là. Je vais ressortir. Alors oui, il y a un challenge indigo. Alors je ne sais plus du tout l'adresse, je suis désolée. Je peux vous le mettre dans le Discord si vous voulez. Je vous le mettrai. Bonjour Véro. Bonjour Marina. Oui, il y a un challenge à Indigo sur tout le mois d'avril. Et je vous mettrai toutes les infos sur le Discord si vous voulez. Là, je les ai pas notées. Je ne les ai pas sous la main. Donc, on avait épinglé tout ça la semaine dernière. Ça s'est un peu froissé dans ma boîte. Pourtant, c'était bien plié. Je vais enlever la boîte, je vais le mettre de ce côté-ci, comme ça on verra mieux ce que je fais là. Voilà. Donc j'avais mis le passepoil et le fond, la propreté, sur les deux dos, les deux shorts dos, sur l'endroit. Donc là, on en est à la couture, il me semble. Il faut juste qu'on fasse la couture sur les marquages à la craie qu'on avait fait la semaine dernière. Avec une promo, tout à fait. Il y a une promo sur le patron Indigo, si jamais. Je vous mettrai tout ça dans le Discord après le live. Donc, je vous mets le lien du Discord si vous n'y êtes pas encore. Ah, j'écris mal. Voilà. Donc voilà. J'ai même pas regardé la vidéo encore. J'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien en ce moment. Bref, c'est pas moi qui l'organise, hein. C'est une autre couturière. Et voilà. Je vérifie où on en est parce que je veux pas aller trop vite. Alors on a tout marqué à la craie.
Superposé, épinglé. Ah oui, alors elles ont cousu. Alors moi, ma technique, ça aurait été de coudre le rectangle ici. Alors, est-ce que c'est pas la bonne technique? Parce que j'ai épinglé les deux. Et en fait, sur le livret, on épinglait d'abord le passepoil, on le cousait sur le marquage, pareil de l'autre côté. Et ensuite, on mettait la propreté et on faisait la couture. Mais juste la couture ici, juste sur la ligne. On faisait pas les carrés, enfin les bouts, mais normalement il faut les faire. Bien démarrer dans l'angle et faire un bon point d'arrêt. Oui, ça, ok. Donc moi, ma technique, ça va être de faire le rectangle. Hein. Je sais pas trop pourquoi on fait pas le rectangle complet. Je regarde le livret du coup. Ah, mais pourtant je l'ai changé le Wisebot là. Pourquoi est-ce qu'il marque ce message? Attendez 2 secondes, je reviens. C'est fini pour les dons de l'Ukraine. Donc pourquoi est-ce qu'il m'a pas. Parce que je vois que le message s'affiche dans le. Dans le chat, mais il n'y est plus. Normalement, je l'ai enlevé. Oui, c'est bien désactivé. Ah non, ouais. C'est parce que je l'avais rajouté aussi là. Bon. Allez, je l'enlève. Voilà. C'est réparé. Voilà. J'arrive. Ça motive pour se lancer? On se bloque de peur de louper pour rien. Il faut pas se bloquer, il faut essayer. Il faut essayer. Je l'ai vu hier soir pendant. Bon, je sais plus écrire aujourd'hui. Steph, je vois ça. Cathy crée à couture. Sur Insta et YouTube qui l'organise. Merci Maria. On ne se moque pas. Non, on ne se moque pas. Je veux le faire, j'ai tout, mais toujours pas de cousu. Bah écoute, c'est l'occasion. Trop fatiguée, oui, mais je comprends. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on en revient à notre short. Pourquoi ne pas faire la couture du rectangle? Je ne sais pas. Moi, je vais faire la couture du rectangle. Je vais le faire comme ça, comme j'ai l'habitude de le faire. Et on va voir si ça marche ou si ça marche pas, s'il y a une raison pour laquelle c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok? Donc, on va faire les rectangles ici en étant très très précise sur la couture de. On va vraiment tracer, coudre sur la ligne qu'on avait tracée la semaine dernière, sur les deux côtés. On va commencer par un, ensuite je le découperai, on retournera et puis on verra s'il y a un problème, je ferai différemment pour l'autre côté. On a bien l'exemple avec toi, Vanessa, depuis le début, la banane, tu l'aurais jamais fini, c'est clair. Vive les jeunes mamans, oui. C'est pas facile pour ma part. J'espère que au moins il n'y a personne de trop malade. Pour ma part, je vais me lancer sur ma première Blue Moon demain. Enfin, j'ai acheté toutes les fournitures. Bien, très très bien. Ça promet, Steph. On n'est que lundi. J'ai cousu et fini mon premier t-shirt à la surjetesse pour ma fille de 2 ans. Jeune, jeune, c'est leur relatif. Bah, jeune dans le sens où tu as des jeunes enfants. Je vais égoutter mon thé avant qu'il soit trop fort.
Et on va passer sur la machine. Machine que je n'ai pas enfilée avec la bonne couleur. Donc, je vais l'enfiler la bonne couleur. Vous voyez bien, oui. Alors là, vu que je n'ai plus l'autre caméra, je peux vous tourner un peu plus. Voilà, il y a plus de place que ça. Juste la caméra de stream, en fait, c'est bien. Il faudrait que je vois si je peux enregistrer mes vidéos, la qualité que ça donne d'enregistrer un tuto couture avec mes webcams, plutôt que de m'embêter à mettre mon téléphone à chaque fois. Parce que vraiment, ça prend de la place. Je ne vois rien, je cogne dedans. Enfin, c'est pas du tout agréable de travailler avec. Alors que la caméra de stream, je trouve que vous avez une vue qui est quand même pas trop mal. Bon, vous ne l'avez pas sûr. Mais si j'avais que celle-là, je pourrais la mettre différemment. Là, elle est un petit peu sur le côté parce que... Ben, quand je dois mettre en plus le téléphone pour filmer, ça prend de la place. On boit quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une tisane carrot cake de Daman. Avec cannelle, gingembre, des épices quoi. J'aime bien les épices. J'ai commencé la box de Mars de Moon Nasu. La veste? Non. Ah non, la Mars, je l'ai pas. C'est celle que j'ai pas, je crois. Il me semble. Moi, j'ai eu celle de février et là, je vais avoir celle d'avril. Oui, je l'ai pas eu, moi, la celle de Mars, puisque j'ai pris une box un mois sur deux. Carrot cake en thé, oui, c'est une infusion, en fait, c'est avec des épices. Hein. Et je pense, j'imagine qu'il y a peut-être des morceaux de carottes séchées dedans. Ce serait logique, mais je ne sais pas trop. Donc là, je vais vraiment bien viser sur mes traits à la craie. Ça ira mieux vendredi. Moi, j'ai peur de mes week-ends, je fais trop de choses. Ah! C'est bien de faire des choses aussi. Est-ce que c'est des choses qui sont sympas au moins? C'est une blouse genre chemise. Oui, non, je l'ai pas celle-là. Je suis en train de réfléchir en même temps que je couds. Non, je vais faire juste les deux allées. Les deux longueurs. Donc ça, ça en fait une. La deuxième. Donc pareil, je vise bien le bord. Il faut que je tombe pile en face de l'autre. Je pense que là, il faut que je recule. Allez, on va la retourner, celle-là. On va déjà voir ce que ça donne. Visite, famille, belle famille, jardinage, montage de meubles. Ah oui, carnaval et un peu de crochet. Waouh!
Il n'y avait que 2 jours dans ton week-end, Nini? T'es sûre? Je fais des samoussas. Oh, trop bon! Donc, oser parler, mes mains sont prises. Ok, pas de soucis, Leïla. Cuisine bien. Moi, je bosse beaucoup la semaine entre boulot et maison avec le télétravail et le week-end. C'est cool en famille, tous les 4 ou 3, Simon ne bosse. Et on se la coule douce, surtout avec la sieste qui coupe tout, oui. Ah, il faut profiter, hein. Non, merci. Dans un an et demi, j'aurai tout ça sauf le jardin. Oui, oui. Alors, j'ai cousu. Non, c'est pas celle-là que j'ai cousu, c'est celle-là. Je suis fatiguée, moi aussi, hein. Alors, je pense que là, j'ai arrêté un point trop tôt par rapport à en face, mais c'est pas très grave. Donc, quand on a cousu ça, normalement, on ouvre et on retourne. Donc, pour ouvrir, avec ma petite roulette, je vais faire un trou au milieu ici. Ah oui, en plus, c'est en plein sur la pince. Allez. C'est bon, là c'est ouvert, je vais pouvoir passer au ciseau. Bonjour Isoline. Plus de sieste, donc on sortira, oui. Je suis trop contente car j'ai eu ou pris le temps de coudre ce week-end, mais moins dormi forcément. Cet après-midi, ça va être difficile. Ah oui. Mais il faut que tu te reposes aussi, hein. Tu sais, quand ils sont petits, les enfants, faut dormir. Hein. Faut profiter de leur sieste pour se reposer. Donc je coupe ici. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien. J'aurais dû mettre l'appareil photo. J'essaye d'ouvrir ici pour que vous voyez bien. Je vais couper. Pas jusqu'au bout. Pas jusqu'à la couture, mais là maintenant je vais faire en diagonale jusqu'à la couture. Sans couper la couture. Pareil de l'autre côté, en diagonale. Jusqu'à la couture, sans couper la couture. Je vais y arriver, hein. C'est pas facile. Ces ciseaux-là, ils coupent pas bien au bout. Mais tant pis, ça devrait aller. Pareil de l'autre côté. Ce week-end, j'ai posé une robe sur modèle de la coupe d'or supplément 323, le dernier. Ah, c'est le dernier. Le dernier, je crois que je l'ai pas. C'est le printemps, c'est ça? Bon allez, ma pause repas décalée est quasiment finie, je retourne bosser devant mon PC, ok, on travaille bien. Qui se repose quand les enfants dorment? Ben les parents. Ben, quand ils sont tout petits, qu'ils ne dorment pas beaucoup. Et tant pis pour le ménage, hein, c'est pas grave. Hein. Pas moi, avec le Covid, j'avais la grande qui voulait un peu sa maman, donc ça fait 2 ans que mon seul repos, c'est... je sais pas. Ah, il faut... Oui, pour la première, j'aurais pu... J'aurais dû même, oui. Oui, pour la première, c'est sûr. On a plus de possibilités hein, avec la deuxième. Quand il y a déjà un enfant qui est là, c'est un peu plus compliqué. Allez, on retourne tout ça. Je vais sortir mon fer à repasser. Donc ça va rentrer à l'intérieur.
Il est pas rentré. Allez. Alors, on a ça et ensuite ça par-dessus. Je vais mettre une petite épingle pour que ça tienne et après on ira repasser. Il a neigé chez vous? Oui, il a neigé. Il a neigé. Vendredi et samedi, bon, il n'y a rien qui a tenu, hein, vu que le sol était bien chaud de la semaine printanière qu'on avait eu juste avant. Mais il a neigé, c'était trop bien. On a vu la neige chez nous. Bonjour coiffeuse. Alors. Ça, ça et ça. Alors, je pense que là, je suis pas allée bien au bout. Parce que ça fait un petit pli. Est-ce que je suis bien allée jusqu'au bout de la couture? Pourtant, quand j'y repense, c'était fatigant, mais c'était moins speed qu'avec l'école, les devoirs, le sport, le quotidien et le tas finalement. Je vais faire un troisième. Le troisième, c'est différent, hein. Nous, ça a été le plus dur, le troisième. Enfin, la troisième, pour nous. Ça a été vraiment le plus dur. Que quand il y a deux enfants et qu'on est deux parents, ça va encore. Mais quand on a plus d'enfants que de parents, c'est un peu plus compliqué. Je rigole, ma machine est cassée. Ok. Non, mais il y en a qui font trois enfants, hein. Ou quatre. Mais vraiment, nous, c'était... C'était le plus dur, c'était 3. Après, quand t'as réussi à 3, 4, c'est que 1 de plus, c'est bon. Et elle est pas terrible, mon angle là, il est pas droit. Ça m'embête un peu. Il est pas droit du tout. Bon, c'est pas très grave, on va laisser comme ça. Je vais aller repasser ça. Mais d'abord, on va faire l'autre, comme ça, je repasserai les deux en même temps. C'est un peu de travers. Moi aussi, j'ai mis 2 ans à revenir à la surface après la naissance du troisième. Ouais, non, mais c'est... Le troisième, c'est le plus dur. Par contre, moi, j'arrête là. Ne dis jamais ça. Je l'avais dit aussi. J'en ai 3 et avec chérie, on désire un 4e. Oui, mais tu vois, 4, ça change pas beaucoup. Une fois que tu as passé le cap de 3, où tu as les enfants qui sont plus nombreux que les parents, bah 4, ça fait juste un de plus, c'est pas... Le plus embêtant, c'est la voiture. Voilà, c'est vraiment plus embêtant, c'est que bah, de suite, t'es obligé de passer sur une autre voiture, t'es obligé de changer de voiture.
sinon, côté gestion de la famille, ça change pas grand-chose. Et pourtant, tu en as fait une quatrième, c'est que finalement, ça devait être gérable. Oui, mais c'est ça, c'est une fois que tu as réussi trois, une fois que tu as réussi à en faire trois et que tu arrives à gérer trois, bah, quatre, c'est pas tellement pire, hein. Bonjour fille aiguille ciseau. On est majo sushi, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais bon. C'est nos enfants quand même. Hein. Ah, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Moi, j'en ai deux enfants, dont un handicap physique, oui. Voilà, après, là, quand on rentre dans les handicaps, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un peu plus compliqué. Bon, du coup, il faut que j'aille aussi loin que l'autre, hein. Je vais me mettre là. Alors, jusqu'où je vais? Jusque là? Il est où mon fil? Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, si j'avais commencé moins tard, j'en aurais eu plus. Oui, ça, l'âge aussi. Bon, ça va, on n'a pas été trop tard. On a été assez jeunes comparé à d'autres. J'ai déjà la voiture, j'ai plus qu'à la remplir, je suis à 1. Ok. Les actifs avec la grande et la sieste, avec la petite, c'est compliqué. 3, non, déjà nos âges, on est plus tout jeunes, tous les deux, même si on est jeunes parents, et rentrer tous dans la voiture pour passer un week-end, il faut un semi-remorque, oui, mais ça, c'est quand ils sont. Plus ils sont petits et plus il y a d'affaires, c'est terrible. C'est terrible. Quand il y a 2 et 3 en même temps, pas facile non plus, oui. Bonjour Maman Cou, bonjour Spy. Oh, les jumeaux, ma hantise, je pense pas que j'aurais été capable de gérer deux monstres d'âge identique. Ouais, c'est sûr. Ça doit être dur. Mon mari est hyper motivé pour un deuxième. Moi, quand je vois l'état de ma maison, je me dis plus qu'un de plus, c'est pas possible. Ouais. Trente-six le premier et 39 la deuxième. Ah oui. Surtout quand ils se mettent à marcher. Ah oui. Alors la marche, je crois que c'est il faut. Quand les parents sont là, ils marchent pas encore et tout, mais c'est tellement bien. Moi, j'ai eu des filles, elles ont marché toutes beaucoup trop tôt, en fait. Elles ont marché beaucoup trop tôt, elles ont marché à 9 mois. Mais c'est catastrophique. Parce qu'à 9 mois, ils comprennent pas tout ce qu'on leur dit. Et c'était dur, hein, il fallait courir derrière. C'est plus un salon, c'est une. Oui, c'est... mais ça c'est normal, mais ça va durer un certain temps, mais après tu retrouves ton salon.
C'est normal ça, la salle de jeu dans le salon. Moi, ça me choque pas du tout, hein. C'est normal. J'ai quatre filles, Caroline. Je suis nounou, donc c'est déjà mon côté. Oui, c'est sûr. C'est sûr que les nounous, elles connaissent déjà ça. Le temps que d'aller au WC, je trouve mon bébé qui avait grimpé sur le... Ah ben oui. Ouais. Le mieux, c'est d'emmener le bébé avec soi dans les toilettes, hein. Tu laisses la porte ouverte, là. On n'a plus d'intimité quand on est maman. Ça, c'est fini. Oui, mais non. Ben oui, mais je... Oui, mais... Sinon, il faut inviter d'autres mamans. Il faut inviter d'autres mamans qui sont dans le même cas que toi. Il y en a plein, hein. Elles comprennent. Ou des nounous. Bon, mes copines, elles étaient nounous. Alors, on était toutes avec nos enfants. J'ai plus de maison, c'est une salle de jeu immense. Bah ben oui. Et mon mari vient d'acheter un château gonflable. Ah ouais. Je te laisse mes filles, Mimi. Pégase, Steph qui te laisse les filles. Attends, il y a un château gonflable, c'est trop bien. Ils adorent ça, les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, c'est le plus compliqué hein, dans les poches, les fausses poches passepoilées comme ça, c'est de bien retourner tout. De tout bien mettre à plat derrière. Si tu veux, j'ai une terrasse pour pouvoir l'installer dehors. J'attends les beaux jours, bah, tu m'étonnes. Je vais avoir les... tous les petits du quartier, bah, c'est clair, c'est sûr. Et coucou Zakai, comment ça va? Elles ont quel âge tes filles? Ah, mes filles. Alors, la plus grande, elle a eu 19 ans, là, il n'y a pas longtemps. Donc, 19, 15, 12 et 10. Bonjour Rika, comment ça va? Sinon, on coud ensemble et les papas gèrent les bébés en attendant. Aussi, c'est une solution. Oh là là, j'ai un pli qui est pas joli ici. Je pense que c'est pas bien coupé. Et oui, je suis pas allée jusqu'au bout. Allez, il faut couper vraiment jusqu'à la couture, mais
sans aller trop loin. Et comme on a toujours peur d'aller trop loin, en fait, on s'arrête un peu avant. Et un peu avant, c'est pas assez loin. C'est la partie délicate. Allez, est-ce qu'on est bon là? Papa gère pas trop mal le château gonflable. Il y a une attaque dès que la petite saute, mais il gère. Bon. Ok, je lui dis pas. Tu lui dis toi-même, Leïla. Je viens de finir le pantalon Alfie de Apolline Paterne. Ok. Je connais pas trop ces patrons-là. Apolline Paterne. Bon, je pense que c'est parce que j'ai pas cousu encore, coupé encore assez loin. Ces pantalons. Ah, parce que ça. Pourtant, je l'ai changé. J'ai mis le mot acceptable. Ça a encore mis des étoiles? Ça a mis des étoiles à la place du mot ou pas? Je l'ai rajouté pourtant dans la liste des mots acceptés. Chez moi, oui. Ah, zut. Pourtant, je l'ai bien rajouté, hein. On a une liste de mots autorisés. Donc je l'ai rajouté. Donc j'ai peut-être Ok. Bon, bah, il faudra que je regarde encore. Tu es sûr que ce n'est pas ton contrôle parental à toi, Pegastef? Ah, il y en a qui ont bien eu le mot. Ok. Bon, elles sont pas super belles mes poches passepoilées, hein. Je suis allée trop loin Non, c'est pas ce côté-là que je suis allée trop loin, c'était l'autre. Bref, elles sont pas super réussies. Tant pis, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai eu que les petites étoiles. Ok, bon, bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas. Non, mais j'ai changé, Leïla, j'ai rajouté les mots culotte, pantalon, tout ça, je les ai rajoutés dans une liste de mots autorisés. Donc normalement, il ne devrait pas mettre des étoiles à la place. C'est autorisé ici. Je vais épingler ici. On va épingler le milieu aussi de ce côté-là. Comme ça, je pourrais repasser plus facilement. Moi sur téléphone, j'ai les étoiles. Moi c'est la tablette parce que vous avez bloqué chez vous les mots offensants. Bon, ben je comprends pas trop, hein. En tout cas, c'est ajouté à ma liste de mots autorisés.
Ah! Je viens de voir qu'on pouvait changer le paramètre. Ah! Alors il faut que tu... Comment t'as fait, Pink Limpet? Comment débloquer les mots sur portable? Ouais. Moi, je les ai pas, ces trois petits points, parce que j'ai. Je pense que c'est parce que c'est mon stream. Je vois forcément tout. Celle-là, elle est pas jolie, hein. Ben, on va voir en repassant, peut-être que ça va. Ça va mieux mettre le tissu. Ensuite. Ah mais oui, c'est sûrement. Bon, mais du coup, ça y est, tout le monde n'a plus les étoiles. Ça y est, elles sont enfin comprises. À chaque stream, je dis, vous m'écoutez pas, je boude maintenant. Oh, elle est là. Maintenant, avec le clic sur les petits points, ça marche, j'ai plus les étoiles. Bon, ben parfait. On est focalisé sur la couture. Ben oui, c'est vrai. Leïla, j'ai tout vu. Ah, Ika, elle a vu, Leïla. À boire, oui. Alors, il ne reste plus qu'à assembler le bas de la propreté avec le bas du passepoil pour cela épingler et piquer en soulevant et repassant sur la piqûre d'assemblage du passepoil avec le short, soit à 0,5 cm du bord. Alors, on est d'accord qu'on le fait visible, hein. On va le faire traverser. Il est comment le... Ah non, la couture, elle est en dessous. Ok. Ok. Allez, donc ça. Maintenant que c'est repassé et que c'est bien à plat, je peux enlever les épingles. Et donc on va attacher. C'est pas très joli, ça fait plein de plis. On va attacher ici le fond de poche. Où sont mes pinces? Le fond de poche, la propreté. Et le passepoil. J'ai trouvé le mot passepoil amusant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est amusant. Donc là, on va faire une couture ici. Après, d'abord, on fait aussi pareil avec le deuxième.
ça marche pour tous les streamings ou par streamer? J'imagine que c'est pour tout, hein, j'espère. Sinon, ça va être un peu lourd s'il faut que tu changes les paramètres à chaque fois. Là, je suis en plein dans la pointe de la pince, là, c'est pas terrible. Allez! Quelle heure il est? Oh là là, on a mis quasiment une heure juste pour faire ce passepoil. Sérieux. C'est pas très rapide comme couture, hein. Ah mais j'ai eu un bannir les pinces, mais ça marche plus le truc. Ah, ça a pas marché. Ah zut. Ah désolé. Bon, je les enlève comme ça, je mets pas les pinces. Désolée, j'avais pas vu, l'alerte, elle a pas marché. Allez, j'enlève les pinces. Ensuite, on va coudre le petit triangle ici. Donc il y en a des deux côtés sur chaque poche. Allez, ça là, elle est faite. La deuxième. Voilà, allez, comme ça les poches passepoilées, c'est fini. On va aller enlever tous les fils. On va couper tous les fils, parce que là il y en a vraiment partout. Moins interdit.
Ok. Alors, par quoi est-ce que je vais pouvoir le remplacer? Si je le traduis en anglais, ça va pas marcher, hein? Voilà. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire, hein. J'ai des fils partout. Et ici aussi, il y en a sur le devant. Ah non, ça, il était en haut. Sinon, je te propose une variante. Au lieu d'interdire un mot, on interdit une lettre. Une lettre? Mais comment tu veux faire ça? C'est pas possible. Ah, c'est pas très beau là. Pas très jolie. Elle est pas très jolie celle-là. Tant pis. Leïla, j'ai heureusement que je lis dans ma tête maintenant. Non, je ne vais pas acheter de tissu. C'est trop dur. C'est trop trop dur. Je l'ai mal fait celle-là. Le passepoil, il va par-dessus la poche là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant pis, celle-là, elle est pas jolie, hein. Celle-ci, elle est pas jolie. Je vous montre de plus près. Ça me plaît pas parce que là, ça déborde. J'ai dû trop tirer sur le tissu en dessous pour coudre, pour assembler les deux ensemble. Et pour la peine, ça. Peut-être en le repassant. Si j'étire et que je repasse, non, non, ça marche pas. Tant pis. Si tu ne dois juste pas la prononcer. Il faut voir, je sais pas. J'ai perdu. J'ai perdu? Quand est-ce que je l'ai dit? Quand est-ce que je l'ai dit? Quand est-ce que je l'ai dit, Nini? J'ai dit ça? Ça m'étonne. Puisque ça va pas du tout. Je peux pas avoir dit ça, ça va pas du tout. Tant pis, j'ai dit oui, tant pis, mais... Je regarderai le replay. Ça m'étonne.
Ça m'étonne que je l'ai dit quand même. Parce que ça va pas du tout. C'est moche. Alors, on a fini le passepoil. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. On assemble le dos par la fourche. Ok. Et après, devant un côté, on fait les côtés et après, on fait l'entrejambe. J'ai besoin d'une bonne nuit. Je parle super bien. Ok. Où sont mes pinces? Mes pinces! Engage, tu ne prononces plus pendant 5 minutes. La lettre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Juste la lettre? Je comprends pas comment je peux faire ça. Comment ça marche? Pas on, mais... Ah oui, donc en fait, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive en parlant sans... en oubliant une lettre, en fait, c'est ça? Il va pas... Ah ouais, mais non, mais c'est trop dur, ça. C'est trop, trop dur. C'est trop trop dur. J'en mets partout des O. Il y en a partout. J'ai perdu. Voilà. Ah non, mais c'est trop dur. Mais oui, quand je parle, je sais pas, j'écris pas. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les O. Mais oui, c'est trop. Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas parler sans O. C'est pas possible. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. De parler sans... Mais non, c'est pire. Alors, je me rappelle plus la marge de couture. 1 cm, 1 cm.
Perdu, perdu, perdu. Mais oui, mais essayez-vous. Je vous mets au défi d'essayer tout seul devant votre écran. Parlez sans en enlevant une lettre. C'est pas possible du tout. Un défi ou ça? Oui, Ika. Il faut que tu parles pendant 5 minutes sans la lettre O. C'est pas possible. Si, c'est super facile, ne plus parler. Oui, t'as raison. Tu seul devant votre écran. Votre écran. Votre écran. Gâche, c'est pas censé être facile. Oh ouais, mais quand même. Là, c'est plus dur que l'autre truc. Alors, je vais enlever un petit peu des épingles. Je vais juste surfiler la couture. Hop, on déplace la machine. Enfin, la machine. Des étirements. Ah, ça, c'est beaucoup plus sympa. à boire. Merci. Enfin, des trucs sympas. Je fais ma surpiqûre, là. Mon surgé. Le dos droit, oui. Oula. J'ai reculé dans la table. Un cadeau à chacune d'entre nous comme gage. Des bisous, ça vous va? Vous avez droit à tout mon amour. Allez, on boit, on s'étire et on se tient droit. Ah, merci pour la petite séance d'étirement. Le gage, je serai. Que nous parle couture. J'ai pas compris, Caroline. Bon. Allez, on va avancer un petit peu quand même. Au moins qu'on monte le short entièrement. La ceinture, on la fera peut-être une autre fois. Et au moins qu'on puisse fermer le short. Ce serait pas mal. Il est quelle heure? 3h20, oui. Pourquoi le temps il passe aussi vite? J'ai pas surpiqué ici.
J'ai pas fait mon surjet. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça s'effiloche pas ici, on est dans le biais. C'est pas très grave. Allez, endroit contre endroit, on met le devant sur le dos. On va coudre les côtés et l'entrejambe. J'essaye même pas d'utiliser mes pinces parce que je sens que ça va pas être possible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une intuition comme ça. Zut grillé, bah ouais. Et ouais. Je bannis les aiguilles. Je le fais comment? Avec les dents? Je tiens avec les dents. Visage des doigts, carrément. Ben, je vais coudre avec les pieds, tant pis, hein. Je remarque que tu ne te pliques plus maintenant. Si, beaucoup moins, c'est vrai, parce que mais je fais très 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 attention. Je suis comme ça là. Voilà. Bonjour Yvette. Oui, moi je fais comme ça. Voilà. Ah mince, je suis pas sur la bonne machine. Alors, on se replace bien. Voilà, là on est bien. Je préfère coudre avec les aiguilles car les pinces, je n'y arrive pas. Tu te piqueras moins, oui, oui. Mais sauf qu'il faut en mettre plus. Donc ça va moins vite. Parce que là, en la mettant dans ce sens-là, je tiens deux endroits. Donc si je mettais dans ce sens-là, il faudrait que je mette deux épingles. Donc ça me prendrait plus de temps. Mais effectivement, je me piquerai moins. Mais là, ça va, c'est un tissu qui est assez facile à coudre. C'est ça aussi. Zakai! Après, pour ne pas te piquer, tu as les pinces. Oui. Oui, aïe. Voilà, je me suis piquée.
puissant. Non, ça va, j'ai pas piqué très fort. Bonjour Dame Goupil. Allez, on passe à la surjeteuse. Je suis sur le câble de la webcam. Est-ce qu'elle marche toujours? Oui, c'est bien. Petit transfert de caméra. Voilà. Alors maintenant, l'entrejambe. L'entrejambe. J'ose. Il est quelle heure? Ah, vite, il faut que je me dépêche. Allez. Évidemment. Évidemment. Je sais pas si je peux coudre avec... Je sais pas si c'est déjà arrivé que je puisse coudre encore avec les pinceaux. Bon, si, avec le... La pochette, oui, normal, mais bon. En vêtements, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de coudre avec des pinces? Je sais pas depuis quand. Depuis quand c'est arrivé? T'as été censuré? Pourquoi? T'as été censuré, Zaga? J'ai rien vu, moi. Il y a un message qui a été supprimé? Je l'ai pas vu sur mon écran. Qu'est-ce que t'as dit, du coup? Mets des espaces. Pour pas que ça arrive à nouveau. C'est lui qui t'a... Ok. On peut même plus rigoler avec ce bot, hein. C'est terrible. Déjà, on peut pas faire de la couture, on peut pas parler de culottes et de pantalons.
Encore, toi, tu as de la chance, moi. Quand je me pique, c'est déjà plus violent. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. On n'a pas la même épaisseur de matière, hein. Non, c'est sûr. Allez. Tu n'as pas changé la caméra. Ah, mince. Voilà. Ce tissu est vraiment très très agréable, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, j'ai encore dit aller, hein. Oh, c'est limite ça. J'ai pas bien. Je crois que je vais refaire ma couture là. Je savais bien qu'il y avait un petit souci. Parce que là, ça va craquer à l'entrejambe. Alors, je vais découdre un petit peu. Je pense que je vais découdre. Je vais découdre. Parce que là, c'est à un fil de sortir en fait. J'ai pas du tout bien cousu là. Donc je vais découdre et puis on va recommencer cette couture là. Je préfère plutôt que d'avoir le pantalon qui craque. Alors est-ce que je peux juste faire le milieu ici? Ça va être la question. Par contre, la découdre, ça va être une vraie galère parce que le fil, il est bien rentré dans le tissu et j'ai pas envie de découdre toute la longueur. Oui, surtout à cet endroit, exactement. C'est un endroit qui est très facilement craquable, donc je préfère refaire. Mais bah, je crois que je vais défaire toute la ligne, hein, parce que là, alors de quel côté je vais défaire plutôt en partant de ce côté-là, parce que je peux pas. Les fils sont vraiment de la même couleur, le fil de couture est vraiment de la même couleur et c'est un tissu qui est très, comment dire? Disons que le fil il est bien rentré dans le tissu, donc pour découdre c'est pas facile. J'ai pas envie de prendre un fil de tissu, donc. Oh là 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 là. J'ai trop peur d'abîmer le tissu. Non, c'est bon, j'ai pris le fil. Faudrait que je me rachète des ciseaux, les ciseaux de broderie là qui sont tout fins. Ça fait un petit moment que j'ai perdu les ceux que j'avais, les cigognes là.
sont vraiment bien pour découdre. Parce que là, en fait, on arrache. On arrache, ça tire quand même sur les fils du tissu et c'est, j'aime pas du tout. Ou peut-être que c'est parce que mon découvite, il est vieux et qu'à force de découper, d'être utilisé, il s'est un petit peu émoussé, je sais pas. Et là, je vois pas trop comment on peut aiguiser ce type d'outil-là. Est-il 33? Pff, allez, on va y arriver. Pire comme d'habitude, hein, je courais. Oui, les ciseaux Seagun sont super pour découvrir et couper les fils exactement, mais j'ai perdu les miens et disons que j'ai des filles qui se servent dans mes affaires et qui remettent pas forcément les choses à leur place. Et ces ciseaux-là, je ne les retrouve vraiment plus. Vraiment plus. Du coup, il faut que j'en rachète. Aïe! Allez, là j'y suis. On va pouvoir remonter un petit peu. Voilà, allez, là on doit pouvoir attraper. On va bien maintenir cette fois-ci. Aïe, pas avec mon doigt! J'épingle mon doigt avec le tissu. Comme ça, ça tiendra mieux. Allez, ça devrait aller comme ça. On passe à la machine. Oula, désolé. Ah, désolé. Je vous ai mis une petite claque. Dedans. Voilà. Voilà, je vérifie, cette fois c'est bon. Mon pantalon va pas craquer.
Voilà. Alors, voyons voir. Voyons voir un petit peu. Donc là, il est entièrement fermé. Il manquera plus que l'ourlet et la ceinture. Évidemment, il y a des fils partout. Alors, là c'est quand même très très épais avec le volant plus la poche plus, enfin c'est vraiment très très dur ici, à cet endroit-là. Bon, c'est pas très grave, hein. On verra comment c'est quand je le porterai. Et voilà. Le short, il avance, il n'est pas encore fini, mais il avance. On n'est pas pressé, hein. C'est encore l'hiver, hein, donc de toute façon, je ne pourrais pas le mettre tout de suite, donc c'est pas grave. Et le dos, on va... le dos avec les poches. Celle-là, elle ne me plaît vraiment pas, pas du tout. C'est terrible. Bon, heureusement que ce sera dans le dos que je le verrai pas. Il sera joli une fois fini. Oui. Oui, je vais la récupérer là. Je vais aller la récupérer. Du coup, on va arrêter le stream là. Et très, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a. Qui est-ce qui stream? Qu'est-ce que vous voulez voir? Voulez voir quoi aujourd'hui? Merci pour ce nouveau live, ça fait du bien de rire de nos bêtises ou des miennes, oui. Mais merci à vous. Alors, jeudi, il n'y aura pas de stream parce que j'ai pas le matériel pour faire pour continuer, donc je vais faire autre chose. On se retrouve donc lundi prochain pour continuer ça. Et voilà. Donc pas jeudi, désolé. Il n'y aura pas de live jeudi, on reprendra ça. Et pourquoi pas quand tu es le short? Non, je préfère que ça soit le lundi. Je préfère le lundi. J'ai mon petit rituel là, mes petites habitudes, donc je préfère faire ça le lundi. La couture perso le lundi, et puis voilà. Désolée, je suis désolée. Du coup, je vous envoie chez qui là aujourd'hui? La poterie, ça vous dit? Ça me manque quand tu n'es pas là. Oui, je suis désolée, moi aussi, vous allez me manquer. Je suis en train de bloquer le micro. Non, le jeudi, c'est boulot et c'est pas couture perso. Je veux pas faire de la couture perso le jeudi. Et j'ai plein de choses à faire en fait. Je sais pas si vous vous rappelez mon projet secret. Eh bien, il faut que j'avance. Et du coup, ça va me permettre d'avancer là-dessus. Mais c'est bientôt fini, donc voilà. On se retrouvera lundi. Vous êtes trop gentil. Allez, je vous envoie. Voir de la poterie. Alors, je vais voir si ça marche d'ici. Oui, ça marche d'ici. On va aller voir l'ODEM. Donc, merci, merci, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à lundi prochain.